Coucou! Eh bien aujourd'hui c'est le jour 7, nous sommes le 7 décembre et ça fait déjà une semaine qu'on ouvre les calendriers de l'Avent, ça passe vite, super vite. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien on va ouvrir l'ATC numéro 7 de Kiki. Hop hop hop, elle est là. Ah, je voulais essayer un truc, je voulais voir si ça rentrait, mais je pense pas. C'est trop, bah oui, c'est beaucoup trop. Donc, c'est par là que je vais ranger ça. D'accord. Alors, le numéro 7, le voilà. Oh. Une jolie magnolia en Père Noël. En Mère Noël, on va dire. C'est mieux. Regardez ça. Avec un petit tag joyeux Noël. Elle est belle, hein. Un joli fond encore. Bah oui. Tu fais des beaux fonds, Kiki. Trois perles noires. Le chiffre 7. Et hop. Non, on va faire ça. Pour que vous la voyez bien. Voilà. Tac. Donc. Je vais prendre la petite étiquette. T'as bien travaillé, hein? Bien, ma Kiki. Hop. C'est pas droit, c'est pas droit. Voilà. Donc l'ATC 7 sur 25. La voilà. Elle est chouette, hein. Toc. Je vais ranger la numéro 6 d'hier. Refermer ma boîte. Voilà. Et maintenant, on va faire notre calendrier de l'Avent 4 en scrap. Numéro 7, là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je ne sais pas. Ah. Un tampon. Ah, un tampon pour Kiki, ça. La vie est belle. Trop bien. La devise de Kiki, création 17. La vie est belle. Alors vraiment, je suis contente parce que c'est que des tout petits tampons. Et alors ça, pour moi qui suis fan d'ATC, ça va être super bien. Toc. Alors encore une fois, je vais vous faire des petits tamponnages. Voilà ce que ça donne. Il est sympa, hein. Je ne vous ai pas donné les dimensions. C'est vrai, celui d'hier, il faisait 3,5. Celui-ci, il fait 2,5. Vous voyez, c'est des petites dimensions. Mais alors ça, c'est bien parce que on peut en mettre partout. On peut utiliser des petites étiquettes que l'on a pour ça. C'est vraiment chouette. Vraiment. Bon, alors, un autre petit papier. Que je fasse les trois tamponnages. Voilà. Donc, comme à l'habitude, je vais les laisser sécher et je vais reprendre ce que j'ai fait hier. Eux sont secs, bien sûr, et je vais les mettre. Donc, c'était moment. Non, il y avait autre chose avant. Faire de chaque instant un moment inoubliable. Et ça va dans l'enveloppe. Voilà. Ok.
qui est fait. Eh bien, écoutez, on va se retrouver demain, dimanche 8 décembre, avec la suite de ces petits paquets. Voilà. Je vous souhaite un bon début de week-end. Bisous.